Pour ce qui est du coup du suivi pédagogique, donc au sein de l'IFSI, du coup, on est réparti toute la promotion au sein de plusieurs petits groupes qui sont justement gérés par un cadre référent, donc qui lui-même était infirmier, donc du coup qui comprend vraiment ce que nous on recherche au sein de la formation. C'est vrai que je vois qu'au fur et à mesure de ces 3 ans, on a un lien qui fait qu'on se connaît et qu'elle me connaît et qu'elle sait comment j'évolue au sein de l'IFSI, et ça me permet d'avoir une critique sur mon parcours, de savoir si j'ai bien évolué, comment j'évolue. Et moi, pour moi, c'est important d'avoir cette personne-là, parce que quand il y a des petits problèmes ou même quand justement ça va bien, et bah, d'en discuter, c'est toujours agréable, et de savoir qu'on a une personne vers qui on peut se retourner, parce que bah, c'est des études qui, des fois, font qu'il y a des hauts et des bas, et surtout des hauts. Et bah, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qu'on connaît, qu'on sait que depuis 3 ans, elle nous connaît et qu'on peut aller voir quand il y a besoin. Et c'est à lui qu'on va pouvoir justement poser toutes nos questions quand on a des difficultés en stage, même pour vis-à-vis des cours. C'est vraiment quelqu'un qui sera là pour nous au fur et à mesure de ces 3 années, qui va nous suivre, et ce sera également notre pilier vraiment infirmier qui a déjà connu le métier, qui connaît et qui va vraiment nous servir tout au long de ces 3 années, et qui sera vraiment là pour nous pour ces 3 années.